Salut à tous, bienvenue sur Maths en tête. Aujourd'hui, on va s'occuper de la résolution d'équations du second degré dans l'ensemble C des complexes. Donc, je vous propose ici quelques exemples. On va bosser sur la rédaction de ce type de résolution d'équations et surtout s'intéresser à certains cas où les équations du second degré sont dissimulées dans d'autres équations. Comment mettre tout ça en place, comment rédiger. Écoutez, je vous propose de mettre sur pause et on en discute dans quelques instants. Donc la première équation que je vous demande de résoudre, c'est l'équation z sur 4 égale 1 moins 2 sur z. Donc on va essayer d'extirper le second degré qui a mouflé là derrière. Donc on voit qu'on a affaire à des écritures fractionnaires. L'idée c'est peut-être de mettre le deuxième membre à droite du égal sous forme d'une seule fraction justement. En mettant au même dénominateur, donc tout sur z, on obtient assez facilement z sur 4 égale z moins 2 sur z. Et donc on va procéder par produit en croix ici en faisant vraiment attention à un point sur lequel je vais insister. Donc on obtient z fois z, z carré, égale 4 facteurs de z moins 2. Donc on a éliminé les quotients en quelque sorte et on se retrouve avec z carré égale 4z moins 2. On voit notre second degré apparaître. En revanche, en écrivant ça, on n'a pas du tout une équivalence. Les deux quantités ne sont pas équivalentes. Pour quelle raison? Eh bien, dans l'expression initiale, on avait une valeur de z qui était proscrite. C'est la valeur z égale 0. Or ici, on ne la voit plus dans notre égalité sous forme d'équation du second degré. Donc il est important, pour ne perdre aucune information, de préciser z non nul. En tout cas, dans un premier temps. C'est vraiment une précaution à prendre. Et donc quand on modifie un petit peu tout ça, on obtient z carré moins 4z plus 8 égale à 0. Donc une équation du second degré très classique. Et à ce moment-là, on peut constater que la solution 0 n'est pas valide. Donc ce n'est pas une solution. Quand on remplace z par 0, ça ne fonctionne pas. Donc parfait, on peut maintenant ne plus l'écrire. Et donc c'est parti pour une rédaction standard. Hein. On précise que z carré moins 4z plus 8 est un polynôme du second degré de la forme az carré plus bz plus c. On précise qu'il y a abc quand même, hein. 1, moins 4 et puis 8 respectivement. Et donc on se penche sur l'étude de son discriminant delta qui vaut b carré moins 4ac. On obtient donc ici moins 4 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 8, c'est-à-dire 16 moins 32 ou encore moins 16. Discriminant strictement négatif, ça implique donc qu'il y aura deux racines complexes conjuguées. Écrivons-les z1 et z2. z2 vaut donc z1 bar. Et donc z1 vaut par exemple moins b plus i racine de moins delta sur 2a. J'ai mis plus i, j'aurais pu mettre moins i. Les deux racines sont évidemment interchangeables. On obtient donc moins moins 4 plus i, la racine de moins delta, ça fait la racine de moins moins 16, c'est-à-dire racine de 16, on va mettre 4, le tout sur 2. Donc 2 plus 2i pour z1. Et donc z2, 2 moins 2i. On a donc nos deux solutions. Je vous rappelle qu'une équation de degré n a au maximum n solutions. Ici, il y en a deux, les voilà. Deuxième équation. Z puissance 4 plus 2z carré moins 8 égale à 0. Et bien ici, en fait, on va travailler par changement de variable. On constate qu'il n'y a que des puissances paires. C'est ce qu'on appelle une équation bicarrée. Et on va donc poser, par exemple, grand z égale petit z au carré. On se retrouve donc avec grand z au carré plus 2 fois grand z moins 8 égale à 0. Donc équation du second degré. Une équation bicarrée de ce type implique donc un changement de variable de ce type. En termes de rédaction, je vais aller ici plus vite. Hein. Vous avez le modèle qui est juste à droite de votre écran. On a ici a égale 1, b égale 2, c égale moins 8. Donc un delta qui vaut 36 ici, strictement positif. Donc on a deux racines réelles. En revanche, ces racines, ce sont des grands z. Grand z1 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 2 plus racine de 36 sur 2 fois 1. Donc moins 2 plus 6 sur 2, ou encore 2. Et puis z2 moins b moins racine de delta sur 2a qui vaut moins 4. On est en présence des grands z, donc chaque grand z va donner deux petits z. Or, je vous rappelle qu'une équation degré 4 possède 4 solutions dans C. Donc grand z1 égale 2 donne petit z1 égale racine de 2 et petit z2 égale moins racine de 2.
est grand Z2 égale moins 4 donne petit z3 égale 2i et petit z4 égale moins 2i. Dernière équation, 5 sur z carré égale 3 sur z moins 1/2. Un peu comme sur la première, on a des quotients, arrangeons-nous pour en avoir un de chaque côté du égal, on met donc au même dénominateur le deuxième membre et on obtient 5 sur z carré égale 6 moins z sur 2z. Ou encore, par passage au produit en croix, z carré facteur de 6 moins z égale 5 fois 2z. Et là, encore une fois, on ne peut pas faire l'économie de ne pas écrire z différent de 0 parce que dans l'équation initiale, on avait des z en dessous de la barre de fraction, donc z différent de 0 impératif. Une information qu'on perdrait avec z carré facteur de 6 moins z égale 5 fois 2z. Et donc en arrangeant justement cette première ligne, on obtient 2z carré moins z cube égale 10z avec toujours z non nul, ou encore z cube moins 6z carré plus 10z égale 0 avec z non nul toujours. Équation du troisième degré. On voit aisément qu'on peut factoriser par z, ce qui va nous permettre de pouvoir résoudre cette équation. Donc z facteur de z carré moins 6z plus 10 égale à 0 avec z non nul. Et donc là, on est en présence d'une équation produit. D'un côté, une équation du premier ordre, et puis de l'autre, une équation du second degré. Donc tout ça, on sait faire. Or, z est non nul, rappelez-vous. Ce qui suppose donc que finalement, mon équation produit n'en est pas une. Vu que z ne peut pas être égal à 0, et c'est la valeur qu'on obtenait de la résolution de l'équation de z égale 0. Donc, on peut résumer tout ça en disant que cette équation est équivalente à z carré moins 6z plus 10 égale à 0. On ne s'occupe plus du premier z, vu qu'il est forcément non nul de toute manière. Et on recommence en termes de rédaction. On trouve ici un delta égale à moins 4, donc on a deux racines complexes conjuguées. Moins moins 6 plus 2i sur 2, c'est-à-dire 3 plus i, et puis 3 moins i pour la deuxième. Donc encore une fois, deux solutions. Cette équation, on pouvait en avoir 3 au maximum. Ici, on en a 2. Voilà, j'espère qu'en tout cas, que ce petit exercice vous aura permis de faire un point sur la rédaction des résolutions d'équations du second degré. Vous aurez également permis de retravailler cette notion d'équivalence qui n'est pas si simple. On ne peut pas écrire les choses bout à bout sans s'assurer qu'on peut faire machine arrière au niveau de cette écriture. En tout cas, j'espère que tout est clair. Si c'est le cas, c'est parfait. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !